voilà Don Juan triomphant. Crack sprinter, le mot n'est pas galvaudé. Vous pouvez la revoir en hauteur, la course de référence, parce que là, c'était un groupe 1, les Kipcor British Champion Stakes, Sprint Stakes à Ascot. Et regardez cette fin de course sensationnelle. Il battait qui ? One Master, la deuxième. Triple gagnant du prix de la forêt. C'est un cheval qui a battu Brando, Advertise, Hello Humzen, The Tin Man, Sons of Mali ou Maps Cross. C'était la dernière sortie de sa carrière. Il a remporté ce groupe 1. Une carrière exceptionnelle, puisque là, il avait remporté le groupe 1 à l'âge de 6 ans. Et alors que dès l'âge de 2 ans, il était au meilleur niveau, gagnant de l'Eastud et gagnant du critérium de Maison Lafitte, groupe 2 sur le feu hippodrome de Maison Lafitte. Autre cela, il a aussi été deuxième du prix Maurice de Guest à l'âge de 3 ans face à ses aînés, un groupe 1 sur les 1300 mètres de Deauville. Et Don Juan triomphant, que l'anglais commentateur anglais appelle Don Juan triomphant, mais donc c'est bel et bien Don Juan triomphant à la française, fait la monte au haras de la Barbotière pour la somme de 3000 euros seulement. Donc c'est à Sablé-sur-Sarthe. Et très important, il aura ses premiers 2 ans en 2023. Donc lui-même fut un 2 ans, pas qu'un 2 ans, la preuve qu'il a duré jusqu'à 6 ans. Mais évidemment, on est très enthousiaste à l'idée de voir les premiers 2 ans de Don Juan triomphant s'illustrer cette année. Voilà, un cheval très épais, un cheval, un vrai typé du sprint, très épais, très solide, beaucoup d'os, beaucoup de membres et une épaule et un corps de taureau, de déménageur.